Hey, hey, hey. On est reparti pour la suite de Plague Tale Innocence. Alors que la Macula gagne du terrain dans le sang d'Hugo, Lucas se sent impuissant à aider le petit. Il a besoin de savoir que renferme un livre rare caché dans l'université. Et, comme d'hab, je sais pas le lire en entier. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Bon. J'étais donc bloqué ici. Je me demande si j'ai pas compris. Si je fais ça, ils savent pas revenir. Putain, je crois que je l'ai. Ou pas. J'ai pas été voir entre temps de solution ou quoi que ce soit. Mais elle parlait de les bloquer. Oh non, ça va pas. Mon idée, c'était d'arriver à les faire venir ici. Mais il y en a trop. Ou alors c'est là que je devais faire aller. Mais comment? Comment est-ce que je pourrais les pousser à aller là-dedans? Peut-être avec de l'odoris, mais... Merde. Une charrette. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Je crois que c'est là en bas en fait qu'elle veut la mettre. Mais ce qui impliquerait d'arriver à faire le tour. Bah non, c'est pas là en bas. Plutôt genre là en bas. Ce concrètement. Qu'est-ce qu'il y a là en bas qui m'intéresserait? Comment je peux faire? C'est en soi quand j'avais fait ça. Elle me disait qu'il fallait que je trouve un moyen de les bloquer. Je comprends juste pas comment. Que ma lumière va pas assez loin.
Me dire ça, je sais en fabriquer plusieurs en vrai. L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Non, ça ne va pas. Une charrette. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Ou alors, faudra que je les attire à un endroit où ils ne savent pas ressortir. Le seul truc que je vois, c'est le truc qui est là. Attends. Si je fais ça. Pour essayer de les attirer un max à gauche. Et que de là, je prends de l'odoris. Que je balance là, j'ai très mal vidé. On ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Bon, est-ce que trois rats sont capables de me buter? Je crois que j'y suis bloqué là. Dis-moi que tu roules encore. Ils n'arrivent pas à me blesser. Ils n'arrivent pas à me blesser, mais c'est un peu chiant. Je sais pas où je veux aller en fait. Oh, oh non! C'était vraiment très discret. Quoi, c'est pas là que tu voulais? Plus qu'à la déplacer. Attends, est-ce qu'il y a des rats là? Ça a l'air d'aller. J'imagine que c'est par là que je vais. Non. Je sais pas tourner ça plus loin. Parce que c'est bêtement là que je vais aller. Ah, je crois qu'elle a l'air contente là. Sors bien même. Ben voilà. Il aurait juste fallu 42 essais pour arriver à comprendre ce que je devais faire. J'en suis où dans mes compos? Deux comme ça, ça je peux pas, ça je peux pas.
Je vais pas user trop mes compos. Mon petit chat est retourné vers Dodo vu qu'elle vient de dévorer la moitié de sa boîte pour reprendre du poids. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Pas la même chose que partout ailleurs. Hein. J'y suis presque. Lucas a intérêt à exister, ton livre. Ils ont massacré tous les malades. Les rats, ils ont lâché les rats. Qui parle? Je peux rien faire. Je suis désolée. Bah si, tu peux lâcher. Il est mort? Moi, je voulais lâcher pour être sympa. C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Un peu l'inquisition composée de sale race. Un peu du soufre des pierres. Sale bestiole. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça sans le temps? L'odoris. Je pourrais essayer. Une fois au bastion, ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. On a des artistes du couteau. Allez, salut, un connard. Pourquoi? Parce que c'est trop tard pour vous. On appelle ça la clémence. Mais rassure-toi, tous les autres seront bientôt sauvés. Hé hey! Arrêtez de les balancer dans l'eau! Ils finissent tous de l'autre côté. On peut plus patrouiller là-bas tellement... Oh, tellement ça pue! Ben, vous avez de la chance de sentir encore quelque chose! Hein? C'était quoi ce vacarme? Je pourrais attirer les rats hors du pont. Pourquoi ils sont encore là? Les bisangouis, les cages... C'est pas une simple évacuation. On va tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre, pas un mot! J'avais pas vu lui. Lui en soi, je crois que je vais juste l'avoir comme ça. C'est pas sur moi pour vous lâcher. Merde! Bah oui, la lumière. Je crois que ça a bugué. Je suis morte, mais lui, ça a assommé.
Allez, dernier point de passage, heureusement qu'on a accès à ça. Alors, toi. Comment je vais faire pour bien faire? C'est quoi si je vais là-bas? C'est là que je viens. Ces chariots d'alchimistes, il doit y avoir des choses utiles dedans. Est-ce que ça suffirait pour tous ? Ah, je sais faire un meilleur sac de munitions. Augmente la durée d'effet de Doris et Luminosa. Ça, c'est bien par contre. Séparé par de petites lames de bois à l'intérieur du récipient, différents types d'ingrédients restent purs plus longtemps. De meilleurs outils permettent à Amicia d'être plus précise dans la confection de l'unifère. Un mélange raffiné gagne en puissance qui entraîne un fort crépitement. Moi, je serais d'avis de d'abord faire ça. Hein. Pas mal. Pas mal du tout. Ok. J'imagine que je sais pas aller dans l'eau. C'est-à-dire que dans tous les cas, je vais passer les deux clowns qui sont là. Peut-être que si je fais ça. C'était quoi ce bruit? Bêtise, te coûtera cher. C'est ça, barrez-vous. J'ai mieux à faire. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai du bol parce que j'avais été un peu trop vite. Bon, voilà. Zone nettoyée. Donc je regarde. Là, il n'y a rien d'intéressant. J'ai cru avoir un truc briller là, mais... Je
Voilà. Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Ok, ça, pourquoi il me demande à moi qu'est-ce qu'il doit boire? Un peu dégueu. Vitalis, le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. Ok. Ah là, il y a quoi? Les cailloux. Voilà qui a déjà un problème. Bon, à part le fait que je viens de mettre des rats sur ma route, mais c'est pas grave. Bon, après, l'avantage c'est qu'il a pas l'air tellement pressé, donc on va le contourner, hein. Non. Il y a quelqu'un ici, ramenez-vous. Merde. Il a une fronde, merde. Raté. Bon. Buvons un petit coup pour nous recentrer. Vous êtes bien battu. Merde. Bougez pas, ça sera vite. Ah.
Putain, mais lui avec son bouclier, il est chiant en fait. Merde. Bon, faut pas que je lui pète sa lampe à lui. Je vais juste essayer de l'esquiver pour voir. Genre si j'ai plutôt... Qu'est-ce que c'était ? Attends un peu que je te trouve. Je vous avais dit que je vous aurais. Voilà. Bien cru que j'allais cogner un de ces alchimistes. Oh. Je savais que le grand inquisiteur était souffrant, mais là, et trop de gens lui ont tourné le dos malgré ce qu'il a fait. Attends, parce que je suis sûr d'avoir vu un qui allait pas là, mais je sais pas où il est. Ok, il y en a deux. Est-ce que j'ai intérêt à aller genre là-bas? Si je vois personne. Oh bah, voilà. Et nous arrivons dans le chemin des roses. Et on a un épisode qui fait un chouïa moins qu'une demi-heure. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Les roses. Tout seul, le chemin est semé de roses. Des roses ? Où je vais trouver des roses ici ? À mon avis, ce sera des tapisseries et pas des vraies roses. Mais je vais faire un petit cut. Hop, tout le monde peut voir que je joue à Amour Sucré Love Life. Je le vis très bien. J'ai presque fini d'ailleurs. Ben voilà, n'hésitez pas, comme c'est marqué par là, à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne TikTok. Sur YouTube, il y a les rediffs de tous les jeux auxquels je joue. Et sur TikTok, il y a un extrait tous les jours des moments sympas. Soit parce que je râle, soit parce que je rage. Soit parce que je dis des conneries, soit parce que je fais des conneries. Il y a plein de trucs et il y a plein de sortes de jeux. Je fais autant des jeux d'horreur que des jeux de plateforme, que des jeux de survie, que des jeux de chasse aux fantômes. Je fais des jeux aussi en coop avec mon amoureux. Je fais plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à me suivre si le contenu vous plaît, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me le faire savoir. Et moi, je vais faire un cut ici et reprendre directement pour un épisode suivant. Bye bye.